Salut les gamers, c'est Pixels. Et bienvenue sur un tutoriel de passage secret. Mon premier passage secret, bien évidemment. D'ailleurs, le film, mets-toi bien. Et c'est une version spéciale en plus pour vous dire. Enfin, version spéciale. Eh bien, Minecraft a changé et regardez mon skin. C'est moi qui l'ai créé en plus, qui l'ai fait. Enfin, pas dans une application et l'importer. C'est dans Minecraft, vous voyez. Donc, c'est super. En plus, il cligne des yeux, j'adore. Donc, c'est un premier tutoriel de passage secret, bien évidemment, comme vous avez vu dans l'intro. Je vous l'ai dit. D'accord. Donc, c'est un petit système qu'on va voir après. Vous inquiétez pas. Regardez comment ça fonctionne déjà. Hop. Évidemment, vous essayez d'être le plus discret possible. C'est mon premier passage secret. Donc, personnellement, je le trouve fan. Et regardez, nous apparaît dans une salle des coffres ultra secret que personne pourrait y voir. Selon, selon moi, les débutants. Après, ceux qui sont pros des passages secrets vont savoir qu'il y a un truc derrière caché là-dedans. Bon, après, c'est qu'un début. Donc, pour vous parler du système, c'est un système T-flip-flop. Donc, qui est un peu comme un petit système où... Donc, je me suis préparé un terrain. Et nous allons pouvoir commencer le tuto, les amis. Donc tout d'abord, vous avez par exemple votre maison. Donc j'ai fait une petite délimitation du terrain. Pardon. Et au début, c'est ici qu'il va y avoir le système redstone. Donc bien évidemment, il faut une largeur de 1, 2, 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien évidemment, mais celui-là, on compte pas. Parce que ça fait de 1, 2, 3, 4. Bon, évidemment, c'est mal foutu en fait. Parce que en fait, je compte ceux qui sont là, mais pas ceux qui sont sur les coins. Donc, évidemment, vous avez 3 sur 6 de large. 3 de largeur. 3 de largeur sur 6 de longueur. Ça y est. Donc, et j'avais vu qu'il y avait des packs de textures, mais on n'en est pas là. Donc, tout d'abord, et ensuite, avec 3 de profondeur. Donc, on creuse tout, évidemment. Hop. Vous délimitez votre petit système. Donc évidemment la version est 1.99. La version n'a aucune importance. C'est juste pour vous prévenir que voilà. Donc évidemment on va avoir besoin en fait c'est pour vous prévenir que au cas où s'il y a des bugs tout ça. Donc évidemment on va aller chercher dans redstone. Vous aurez besoin des torches de redstone, de la redstone, de dropper évidemment pour faire ce système, d'un entonnoir, d'un répéteur et d'un comparateur. Vous me suivez? Et vous aurez besoin d'un bouton, n'importe lequel. Par exemple, moi je prends le bouton de pierre et bah c'est parti. Donc tout d'abord vous allez poser le bouton, donc évidemment qui va être ici. Vous faites un peu donc évidemment vous prenez un bloc évidemment pour préparer la limitation, le chantier. Vous allez creuser par exemple un trou, par exemple dans le bloc que vous voulez, et vous allez bien, bien évidemment, j'ai oublié le plus important, un bloc, donc évidemment le piston collant qui va nous servir de passe, de porte. Donc évidemment, vous posez votre piston ici et votre bloc qui va évidemment, et vous creusez par exemple votre trou. Voilà, vous creusez votre trou. Pour l'instant, le but c'est le passage secret en lui-même, c'est pas la baraque qu'il faut faire. Donc, tout d'abord, ensuite vous allez ici dans votre préparation de la porte. Car évidemment, vous devez y mettre de la redstone. Car évidemment, vous préparez votre redstone. Et il y aura des limitations ici à construire. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à construire, bien évidemment, le. La T-flip-flop. Évidemment vous prenez votre dropper et vous le mettez dans votre, comme si vous le regardez de face. Ensuite le deuxième, vous le regardez de haut. C'est évidemment comme ça qu'il faut faire. Et si je me souviens bien, il faut que, par exemple si vous avez des blocs, vous mettez un bloc comme ceci. Voilà. Vous enlevez ces blocs là. Vous creusez pas deux trous mais un trou suffit. Vous prenez votre dropper et vous le regardez. Enfin je crois que c'est ça, de mémoire. Parce que ça doit faire tac tac. Non tac tac tac. Ouais c'est ça.
Votre dropper doit être comme ceci, logiquement. Non, excusez-moi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, pardon. C'est le bloc qui doit être ici et non ici. Excusez-moi. C'est une petite faute de ma part. Donc vous creusez un trou et vous posez, eh bien, vous posez votre dropper vers le bas. Évidemment, si. D'accord. Évidemment, s'il n'y a aucune sortie ici, ici, ici ou en haut, c'est que ça peut être que en bas. Soyez logique. Donc ensuite, vous pétez ce bloc-là et vous mettez votre hopper, donc qui est un entonnoir, donc hopper, c'est de l'anglais. Donc vous mettez votre entonnoir jusqu'à qu'il vise ce bloc. Comprenez jusque-là. Bon. Ensuite, ce que vous allez faire maintenant, c'est évidemment vous rapprochez votre trou. Mais moi, il est différent ce système, je vous le montrerai après. Ensuite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà relier de la redstone ici. Voilà, jusque-là tout va bien. Ensuite, vous allez poser votre comparateur, j'allais dire répéteur, votre comparateur de redstone. Donc, vous préparez. Ensuite, vous allez poser, évidemment créer votre terrain qui va servir. Oh, évidemment, évidemment, vous cacher. Il faut vous cacher, sinon ça marchera pas. Vous. Posez ensuite, évidemment, vous pouvez détruire ce bloc-là, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre répéteur. Pourquoi le répéteur de redstone? Parce que, en fait, le problème, c'est que si vous n'en mettez pas, la puissance n'est pas assez forte. Donc, vous prenez un répéteur pour donner de la puissance à votre redstone. Donc, ensuite, vous posez votre redstone. D'accord? Et vous, normalement, posez. Vous posez la redstone jusqu'au piston. Attention! Cependant, ce n'est pas fini. On va faire un petit test. Regardez. Si j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Il n'y a rien. Donc évidemment, pour que ça marche, vous posez n'importe quel bloc qui pourrait être. Alors la torche de redstone, je vous le dis, elle sert à rien. Mais allons voir dans notre petit système là-bas que j'ai préparé. Et qu'en fait, regardez. Vous passez à côté, il n'y a rien. Alors qu'en fait, en dessous se cache mon système de redstone. Et regardez. Évidemment, vous évitez que de détruire. Et regardez, ça va jusqu'ici. Et regardez, en fait, les blocs qui sont comme ça sont transparents. Et du coup, ça laisse passer la redstone et ça gêne pas. Donc, voyez comment c'est implanté. C'est quand même précalculé, je vais dire, si c'est bon pour vous. Et évidemment, ça vous rebouchez. Hop, vous rebouchez. Et ça, vous rebouchez. Voilà. Vous rebouchez le tout. Évidemment, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Hop, vous rebouchez le tout. Voilà. Et évidemment, c'est bien caché, hein. Là, c'est hyper bien caché parce que un mec passe à côté d'une maison d'un joueur, bah, il va pas voir qu'il y a des trous. Ou alors il a une vue super. Tiens, il va fouiller. Par contre, s'il détruit les plantes, oui, il va le remarquer qu'il y a quelque chose. Il va dire, c'est quoi en dessous? Il y a un trou. Et là, il va découvrir qu'il y a quand même un passage secret. C'est pour les débutants. Donc, évidemment. C'est pas mal, c'est mon premier passage. C'est mon passage secret, mon premier passage secret. Fait de moi-même, attention. Donc, évidemment, il va vous falloir obliger une petite montée pour préparer ce passage. Donc, il y a des environnements à respecter. Si c'est un endroit plat, ça ne fonctionnera pas. Donc, ensuite que votre système soit fait, vous pouvez bien, je dis, poser n'importe quel bloc, de la dirt, n'importe quoi, par exemple, un bloc d'herbe. Posez le bloc d'herbe, très bien, il est posé. Vous appuyez normalement sur le bouton. Et voilà, ça fonctionne. On rappuie. Et voilà. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est que par exemple, vous creusez, hop, et vous, 1, 2, 3, regardez, 1, 2, 3, hop, vous préparez votre petite salle de coffre. Hop, vous creusez, vous voyez, je fais pas la salle de coffre, mais je montre comment ça se construit. Vous voyez, vous avez une petite salle des coffres. Hop, vous en remontez, hop, vous en refermez, c'est fini. Évidemment, vous allez reprendre le bloc qu'il faut pour camoufler le tout. Hop, voilà. Évidemment, vous allez cacher, par exemple, le système de trappe que je viens de faire, je vais vous le montrer. Donc, évidemment, vous aurez besoin. Putain de fil de merde, évidemment. Vous aurez besoin. pardon, excusez-moi. De pistons non. Collant, pourquoi? Parce que si vous le collez, évidemment, ça fonctionnera pas. Et d'une torche de redstone, bon, évidemment, comme quoi, en fait, il fallait bien la garder. Donc, suivez quand même le tuto.
ne supprimez pas. Si vous avez supprimé, ça va me gêner parce qu'en fait, vous allez le supprimer puis vous allez le reprendre pour quelque chose qui est banal. Mais bon, il faut que vous preniez une trappe qui est pas visible. C'est-à-dire, si vous prenez une trappe avec des trous, elle va être visible. Et du coup, c'est ça le problème. Donc, vous prenez une trappe, par exemple celle-ci, et vous prenez votre torche de redstone. Hop, et n'importe quel bloc. Ok, jusque-là, vous me suivez. Vous prenez par exemple un bloc. Hop, vous posez un bloc, vous posez évidemment votre trappe. Évidemment, il faut que votre trappe soit vers le haut. Jusque-là, vous me suivez. Vous cassez et regardez, la trappe, elle va rester bloquée. Vous voyez? Donc ensuite, non, pardon, excusez-moi. Bah si, il me semble que c'est comme ça. Tu poses ta trappe, tu détruis ta trappe. Clac. Oui, c'est ça. Ensuite, vous posez votre piston face à lui et vous prenez votre torche. Et vous le poussez, vous enlevez la torche, vous le détruisez, c'est fini. Et par exemple, hop. Oh non. Non. Non, sérieusement, me dis pas que ça a patché. Oh non, ça me plairait pas. Parce que hop, tu fais ça. Comme ça. Ouais. Tu fais ça. Ça y est, ça fonctionne. Oh, ouh, autant pour moi. Donc évidemment, vous mettez un truc au-dessus, par exemple un bloc de décor, n'importe quoi. Moi, ce que j'ai mis, c'est plutôt stylé. C'est que vous allez dans l'onglet Objet, tonneau, et vous posez évidemment un tonneau. Évidemment, vous faites ça, hop, vous le posez. What? Wow. D'accord. Et hop. Et ensuite, votre tonneau va servir pour cacher. Ou alors, ce que vous pouvez faire, encore mieux. Putain, encore plus caché. Encore plus caché. Ah ça, c'est une merveille. Donc, et ensuite, pour reboucher le tout, et bah évidemment, ici c'est la limite qu'il faut pour sur une montée, bien évidemment. Donc ici c'est pas vraiment des blocs, c'est pour délimiter le terrain. Ensuite vous bouchez le tout. Évidemment vu que ça va pas couper la redstone, bah vous pouvez reboucher le tout. Là-bas j'ai eu des complications. Donc évidemment c'est pour ça pourquoi j'ai dû là il serait camouflé. Camouflé. Il y aurait rien du tout. Rien. Donc ça c'est la délimitation. Et normalement si tout se passe bien, hop, on fait ça, on regarde autour de nous. Hop, vous faites ça. Clac, ça ouvre le passage. Évidemment, vous refermez aussitôt. Sinon, il y a une couille. Et là, vous pouvez descendre dans votre passage. Hop, vous faites ça. Vous réteignez. Hop, évidemment. Hop, voilà. Et c'est terminé, ni vu, ni connu. Donc, voilà. Ça y est, c'est fait. Ce petit tuto est fini. Surtout, en plus, n'hésitez pas quand même à mettre un like. Ça ferait super plaisir. Sachant que. Wow. D'accord, les loups attaquent les lamas, c'est nouveau, mais bon. Sachant que cette maison, je l'ai construite moi-même et je suis plutôt fier. Parce que, regardez, je vais vous montrer, hop, que moi, évidemment, je ne l'ai pas caché, j'aurais pu très bien le cacher. Mais regardez, comme vous avez vu dans l'intro, hop, vous faites ça, hop, vous refermez, hop. Alors, je n'ai pas encore fait un système pour refermer de l'intérieur. Pas encore. Mais regardez ce design où j'ai créé un petit aquarium avec des poissons. Donc c'est magnifique. Vous avez des systèmes avec des coffres avec des systèmes de redstone, un coffre personnel à vous pour pas que les joueurs fouillent, pour un portail de l'Ender, un coffre spécialement pour des rubis, des diamants, tout ça, tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas le rubis, pour des objets de valeur, de grande valeur, mais de valeur, des pommes d'or, de l'or, tout ce qu'il vous faut, et une petite boîte de shulker qui permet de quand vous construisez des objets et qui sont à enchanter. D'ailleurs, j'aurais pu mettre une petite pancarte, mais le problème c'est que ça détruit la pancarte. Donc voilà, j'aurais pu la mettre là, mais bon, ça fait un peu moche. Là, j'avais pas le choix parce qu'il y avait la lanterne, mais au moins ça reste joli. Et surtout, ce qui me plaît dans l'intro, c'est cette salle avec les armures, avec les lingots et tout, et surtout ma salle d'enchante. Elle est super magnifique. Donc franchement, j'ai mis beaucoup de cœur à faire tout ça et beaucoup de temps parce que pour imaginer un passage, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà. Donc ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas vraiment à mettre le like, à me dire dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir si vous voulez un autre tutoriel de passage secret.
Et si vous voulez, évidemment, je pense que l'épisode arrivera très bientôt, l'épisode 4 de l'ultime survie. Donc, et si vous voulez d'autres passages, dites-le moi. Et je vais essayer d'imaginer d'autres passages secrets. Et après, s'il y en a, ils ne me demandent pas. Je vais essayer de faire mon mieux, de trouver un autre passage secret très utile. Et on pourra faire ce magnifique passage. Donc voilà. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas à mettre un like, commentaire, partager sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait super plaisir. Abonne-toi et n'oublie pas la petite cloche. Parce que en ce moment, j'ai le sourire. Je suis super fier de mon travail à l'heure qu'il est. J'attends que ça et vos réponses, les amis. Donc, j'ai juste maintenant à vous dire. Ciao, ciao!